Mesdames, messieurs, et cette vidéo, ça va me faire livre parce que je suis avec nos amis de longue date. Hein. Ce n'est pas pour causer ça, je suis avec lui là. C'est Evans Blaze, Jazz Enterprise. Et Evans Blaze, c'est actuel manager de Zafem. Et donc, moi-même, publiquement, je dis que Zafem fait un excellent choix. Parce que c'est une recherche, on est sérieux dans le secteur musique là. Et je suis très à l'aise, je dis Evans, on a eu. On a qui droite, on a qui. Qui fait bailleur avec principe, et c'est ça qui fait monsieur que ça fait son jazz qui va le bon l'autre. On gestion qu'on dit, j'en différent. Ils ont compris. Et aventure avec Evans Blaze, comment c'est il y a des années de ça depuis la New York All Stars. Et son 2000, yeah. Il y a quelques temps, donc je me connais Evans à l'école. Et Evans m'a parlé, non, mais m'a posé deux trois questions même pour trois minutes. Et Evans, c'est ça qu'il faut accepter proposition, ça fait de là. Bon, l'organe des affaires, mon gars Denner, Seyid ou gars Reginald Kanji, ou moi des têtes, pour qu'ils ne savent pas, ou même pas qu'à aider avancer, aider pousser la musique négro, aider arriver côté de l'hiver. Donc, je pense que c'est une opportunité pour moi, pour Jazz Enterprise, pour nous aider, faire tout ça qui est une possibilité pour aider à accomplir les rêves, okay. Pour aider arriver côté de l'hiver. Ok, même quand nous sommes très exigeants à certains niveaux, est-ce que Reginald a donné plus ou moins rentré sur la philosophie en termes de rêve, en termes de projet? Et puis, est-ce que vous sentez qu'on va entrer dans l'équipe qui peut respecter sur les principes de base, surtout au niveau de la discipline? Bon, vous connaissez, nous sommes des gens rigides, des fois, nous sommes gardés nous comme si nous étions trop rigides, même pour l'industrie. Mais il faut commencer à côté quand même. Et so far, so good, nous ne pouvons pas plaindre. Et monsieur, vraiment comprendre côté moi-même, je voulais aller, je comprends la philosophie. Moi-même, tout me comprendre côté je voulais aller. Okay. Donc, so far, nous ne pouvons pas plaindre. Très, très, très bien. Ok, le 8 juillet, c'est la grande première. Et est-ce que la grande cache est spéciale? Parce que c'est là, il y a un tonneau. Il faut que et si tout bruit ça, tout parle ça, est-ce que vous pouvez le justifier? Est-ce qu'on peut s'attendre à une soirée spéciale, pas seulement au niveau musical? Bon, en termes d'organisation, nous avons fait tout ça possible, nous tout ça nos possibilités par nous pour ne pas décevoir pièce. Ça veut dire que un monde qui connaît Jazz Enterprise, qui vraiment connaît Evans Blaze, il a connu que d'ailleurs nous fait tout possible nous pour nous commencer le programme nous à l'heure. En termes d'organisation, mon n'y a pas rien pour y'a worry du tout. Okay. Et m'a dit que Westwood Entertainment avec Jazz Enterprise mettait tout bagage là déjà. Everything is set and we're ready. Okay. Et c'est mon n'y a pour faire des placements avec venir décontracter pour y'a qu'à enjoy tête. Ok, on a parlé de soirée qui a commencé à kill. Parce que mon n'y a toujours important pour vous. Oui. Est-ce que la soirée qui a commencé à minuit, demi? Non. Non, pas du tout, pas du tout. Nous, comme nous advertisons, porte là ouvert à 10h samedi soir, 8 juillet. Nous avons commencé exactement, et nous toujours aimé garder la caméra, elle me dit ça parce que son fier télé pour moi. Nous avons commencé exactement à 11h samedi soir. Et pour dimanche, nous avons ouvert porte là à 6h, nous avons commencé à 7h. 00. Ok, nous connaissons que samedi, sold out déjà. Et comment ça arrive pour dimanche? Est-ce que nous sommes route pour nous sold out? Pour ça dimanche, ça marche extrêmement bien. Et moi, je ne pas qu'elle dit sold out pour le moment, non, mais nous pas trop loin. Nous pas trop loin. Pour le présent, moi, ça fait ma répéter sérieusement tout ça. Sérieusement. Et en pile, mon. Dit que tu as aimé, ouais, est-ce que Ben Napka Kimbi, est-ce que Ben Napka délivré, et bien son green bar, il y a rien pour faire. Vinoué. Ok, quand pile par le pile qu'on fait là, ça veut dire que Zafem apparemment commence à faire face à face, toute parole à parler. Est-ce que la philosophie Zafem pour lui entrer dans la compétition, est-ce que nous l'enlignons toute parole en pile qu'on fait là, semaine ça, au niveau du haut état-major de Zafem? Bon, moi je crois que après Zafem filmer ton album de ce genre dehors, L'étape vraiment difficile pour monsieur entrer dans la rubrique par l'empile là. Parce que au fin font une belle bagarre qu'on ne soit pas qu'à défaite. Okay. C'est musique liée. Okay. Donc donner avec Reginald fait tout le temps ça, avec Benna bien entendu, tout le temps ça, puis après répéter, puis au venir au bail pour du ça. Donc moi je crois que c'est musique là pour parler. C'est pas monsieur va trop bail pour dire encore. Okay. C'est musique là pour parler et. Je connais, mais en plus de monde, je dis
tel bagarre dit tel côté. Mais nous si tellement focus, nous pas gain temps vraiment pour nous dévier chemin route nous voulez faire, nous pas voulez dévier trop, nous voulez focus pour nous capoter bonne nouvelle pour mon yo, pour mon yo là vient dans affaire pour voir que waouh, c'est musique li est vrai, c'est pas parlant. OK, en tout cas effectivement que moi trop connais que nous pas planifier ça. Donc on peut excuser moi que me voler opportunité mais ça arrive à partir de déformation journalistique là. Pas de problème. Donc, et pas capable refuser ça tout. Yeah, c'est ça. Donc merci Evans et puis bon, je pense que nous édifier nous voir Evans Blaise. Moi c'était important pour moi pour connaître personnage là parce que moi-même de nek que Evans mon relé au travailleur de l'ombre. C'est pas de nek comme si qui médiatisé et pourtant c'est de nek extrêmement utile si vous voulez dans tout ce qui a passé si vous voulez en ce qui a trait à la musique et c'est pas de nek qui travaille. Et ça a un an, ça a deux ans. Et Jazz Enterprise, Evans Blaise, c'est plus que 30 ans de travail sur le domaine, mais qui a toujours été silencieux, qui a toujours été à l'écart. Et je pense que c'est ça, les vrais travailleurs. Dans ce sens, je vais parler de l'acteur Evans Blaise, je vais parler de l'acteur Fred Paul, je vais parler de l'acteur Bobby Denis. C'est deux acteurs comme Zemdadou qui sont imbattables là, mais qui sont extrêmement utiles et qui font du bon travail. Donc Evans, merci pour ce que tu fais, merci pour le travail que tu fais. Et puis vous-même, quand vous regardez là, mais Evans Blaise actuellement a deux affaires. C'est même que vous remercie au bureau. Ouais. Donc Kembela tout le monde, nous n'avons pas très long. Nous devons durer exactement 7 minutes. Pas trop long. C'est évident que dans les jours qui s'en suivent, on a peut-être des possibilités pour faire une interview standard avec Evans, même si on n'est pas aimé ça. Mais c'est sûr que avant octobre, nous pouvons mettre nous que nous avons une interview ça. Kembela va la que bon Dieu bénisse nous. À bientôt.